Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Prince of Persia, les deux royaumes. J'avais carrément oublié le nom du jeu. Voilà, voilà. Donc on va continuer notre petite aventure. On était dans les égouts et on s'est retrouvé dans un transformé en contaminé par les sables du temps. Mais on sait que le fait d'avoir de l'eau, c'est nous faire devenir normal. Bon, pas pour longtemps, je crains. Et on a gagné un petit bonus de santé dans la fontaine là. Sauf que bon, c'est dans l'autre sens qu'il fallait aller. J'étais sûr de trouver le mauvais chemin. Voilà, comme d'habitude, je saute de traviole. Voilà. On y va. Encore un saut de traviole. Et non! Oh là là! Voilà, on va essayer de récupérer des sables du temps en cassant les machins. Voilà. Faut qu'on avance plus. Un petit plus. On tombe pédant les mecs. Ok. Ok, bon, bah, on va aller passer par là-bas, hein. Ça me fait moyen, mais... Ok. Oh oh, la fontaine pour sauvegarder. Oh, c'est cool. Si jamais vous devez partir, faudra-t-il bien... C'est mais oui, mais moi je veux sauvegarder. Notre histoire la prochaine. Ça fait 10 ans que j'ai pas sauvegardé. Voilà, c'est cool. Oh, comment sera plus ce truc là. Bon, allez. On continue. Et c'est ce que c'est. Ah ouais. Il y a un trou. Ok. Voilà. Bon, ben j'ai compris comment il fallait faire du premier coup pour une fois. On grimpe là. Ah, super. Ok. Oh, ça se recharge en plus. Et comment qu'on fait pour grimper? Ouf. Bon, j'étais un peu shooté. Ok, il y a des... ça. Ah, regarde là, il y avait un trou. Bon, c'était pas... c'était laborieux, quoi. Hein. Donc, il faut grimper là-haut. Quelque chose s'était éveillé en lui au contact des sables du temps. Quelque chose d'étrange, de rusé, de malfaisant. Ouais, ouais, c'est ça, ouais.
Sept ans d'exil l'avaient endurci et rendu amer. Ce poids permanent avait renforcé sa part d'ombre. Et il était tenté de l'écouter. Car elle était une lumière dans la nuit. Et offrait un peu de réconfort à un homme qui avait tout perdu. J'ai pas compris ce que je faisais, mais je l'ai fait. Que cherchait-elle au juste? Pourquoi l'aidait-elle? Oh, ben forcément, dans une... dans un gaufre, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Des flèches! Ouf. Oh bah là, une autre fontaine et... Voulez-vous que je reprenne après? Oui. Je poursuivrai mon oui, oui, oui. De ce point la prochaine fois. Il y a eu deux fontaines en moins de 2 minutes. Alors qu'il n'y en avait pas. Pendant des lustres et des lustres. Normal. Bon, je suis désolé au fait de tout ce qui est manque de vidéos en ce moment pour Lego Dimensions, mais les mises à jour, hein, comme d'habitude. Babylone. Mais si loin. Quand j'étais enfant, mon père... Fais attention, il se passe quelque chose là-bas. C'est le vizir. Il a été complètement transformé. Intéressant. Il a utilisé les sables pour transformer son armée. Ses artefacts vont lui permettre de transporter ses hommes de l'autre côté de la ville. Il contrôle totalement la situation. Voilà qui n'est pas très bon pour toi, mon prince. Tu m'étonnes. Le vizir n'aura jamais Babylone. C'est ma ville. Mon trône. Donc, je reprends, je suis désolé pour les manques de vidéos sur de Lego Dimension, mais là, ça n'a pas marché ces derniers jours, suite à une demande de mise à jour qui n'est pas encore apparue. Et alors, à cette heure-ci, je devrais, on est jeudi soir, je devrais être en train de tourner les épisodes, sauf qu'il m'a demandé une mise à jour de 2 Go, comme d'habitude. Et donc, je ne peux pas y jouer, donc j'ai préféré avancer un peu dans Prince of Persia. Mais on s'y reprendra bientôt. Non, même si je vais pas arrêter un petit moment, histoire de faire un autre jeu. Tu le gardes de la porte des sables pour l'empêcher d'appeler des renforts. Ouais. Une fois tous les émis de la porte des sables tués, vous pourrez récupérer les sables du temps. Bien joué, Prince. Ton incapacité à agir leur a permis d'appeler des renforts. Ah, zut. Thank you.
On va essayer, sinon on va mourir. Là, je suis mort. Là, je peux pas faire. Mec. Eh ouais, je suis mort. Je suis mort encore. Mais c'est pas grave. On n'est pas. On va pas réapparaître bien loin. Tout en haut. Bah tiens. Il a utilisé ce rayon comme un portail. Nous allons le suivre. Ok. Allez. Ah, oh, je me suis trompé. Ça ne se fermera pas tant que tous les gardes n'auront pas été vaincus. Au travail! Allez! Mais ils vont crever! Voilà. Tue-le. Ah ouais, sont morts. Oui, mais t'as un petit peu, je sais, hein. Vous avez gagné un nouveau réservoir de sable. Ouais. Eh bien, tout s'est déroulé comme prévu, non? Bah ouais, je trouve. Depuis le temps, tu devrais savoir que tu dois éviter les portails de sable. Je dois simplement trouver un mode de transport plus traditionnel. Avec davantage de succès, j'espère. Ah ok. Mais tu vas mourir. Ah. Ah, j'ai pas le contrôle de ce truc là encore, hein. Allez. Oh non, tout en haut encore. Thank you.
Élimine les gardes, sinon le rayon ne disparaîtra pas. Allez, tue-le! Ah, ça m'énerve! Ça m'énerve! Je prends un T-Rex, comme on dit. Allez, Pépère, allez, viens te faire tuer là, deux secondes. Oh mais... Mais fais quelque chose au lieu de te prendre toutes les épées là. Esquive! Oh, allez, on recommence. Qu'est-ce que c'est lourdingue? Mais ils sont combien encore? Yeah.
Allez! C'est bon, hein? Mais je sais, j'ai gagné. Que se passe-t-il? Eh bien, tout s'est déroulé comme prévu, non? Non. Depuis le temps, tu devrais savoir que tu dois éviter les portails de sable. Je dois simplement trouver un mode de transport plus traditionnel. Avec davantage de succès, j'espère. Séparer les enfants. Envoyer les plus faibles à l'atelier. Les forts vont au palais et à la reine pour y être transformés. Non, il n'y a personne. Je ne peux pas y aller. Mais qu'est-ce que vous faites? Ne me touchez pas. Quelle chaîne? Il y a une chaîne où? C'est ça la chaîne? Ah, super. Je vous en supplie, laissez-nous. Laissez-nous partir. Oh, c'est pas possible. Allez. Monsieur, tu te fous de moi là? Voilà. Bon, mais oh. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ah, c'est pour ça, vous pouvez être un peu plus long d'habitude l'épisode, hein. Je sais. On va prendre ça en plus. Et on se donne rendez-vous la prochaine fois. Ciao ciao tout le monde, merci d'avoir suivi.